Bonjour, aujourd'hui je vous propose un cake carotte pomme. Mes enfants adorent ça, donc c'est pour le goûter, c'est super. Il vous faut 4 œufs, 20 ml d'huile, 2 carottes et 4 pommes coupées, 200 ml de lait concentré, 200 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé et un sachet de levure. On va commencer par mélanger le sucre vanillé avec les œufs. Un petit récapitulatif des ingrédients. Donc, quand les œufs et le sucre sont mélangés, nous allons rajouter l'intégralité de la farine et nous allons remettre le robot en marche. Mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. On va rajouter la levure. Et là, nous allons rajouter petit à petit le lait concentré pour bien qu'il se mélange à la préparation farine, œuf, sucre et levure bien sûr. Donc petit à petit. Donc nous allons rajouter l'huile. Quand c'est bien mélangé, nous allons arrêter la préparation qui va être lisse et un peu liquide. Là, nous allons rajouter les pommes et les carottes coupées. Alors j'ai râpé les carottes et j'ai coupé en petits cubes les pommes. Vous pouvez râper le tout. Hein. On mélange bien. Dans un plat que vous avez beurré et mis un papier sulfurisé, nous mettons la pâte. Vous allez enfourner à 180 degrés pendant 50 minutes. Nous allons laisser refroidir. Alors, c'est un gâteau que mes enfants adorent pour le goûter. Ils s'en pètent le bide. C'est vraiment le terme. Bon goûter! Bon appétit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt et abonnez-vous bien sûr.